Bonjour, bonjour, je m'appelle Collégramme. Et toi, comment t'appelles-tu? De mes rêves tous magiques sortent mille mots joyeux que tu fabriques en images pour créer ton Amstramgramme. Bienvenue à Amstramgramme. Bonjour, bonjour, je m'appelle Collégramme. Et toi, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Ah, Étienne. Et toi? Isabelle. Oh, Isabelle. Et toi? Marie. Marie. Et toi? Mathieu. Oh! Nicolas? Marie. Hélène. Et toi qui se caches là-bas, monte avec moi sur les ailes de l'abeille d'Amstramgramme. Qui chante avec moi? Nu à Amstramgramme. Bonjour. Fort, bonjour. Je m'appelle Collégramme. Et toi, comment t'appelles-tu? Bonjour tout le monde et bonjour surtout toi qui nous regardes à l'émission. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Contact, nous te réservons un spécial conçu tout particulièrement pour toi, le tout petit qui nous regarde. Durant l'heure qui s'en vient, si tu restes avec nous, nous te dévoilerons de belles surprises, n'est-ce pas Jean-Pierre? Oui, en effet, c'est une émission un peu spéciale, ce spécial de Noël Contact. Normalement, l'émission Contact, c'est une émission d'information sur l'ensemble du réseau Intervision, où on vous donne normalement la description de chacune des émissions présentées aux canaux spécialisés. Et ce soir, on fait un spécial pour les enfants. On fera un spécial, donc, Enfants-Jeunesse. Le canal Enfants-Jeunesse, c'est à la position 26, TVJQ. On a un invité spécial, comme vous l'avez vu en début d'émission, sur ces premières images où on a vu Collégramme. Eh bien, si tu veux bien, on va aller rejoindre Collégramme qui nous fera du beau bricolage afin que toi aussi à la maison, tu puisses en profiter. Allons donc rejoindre notre ami Collégramme et les petits amis également. Tiens, tu peux faire ça aussi. Tu peux lui coller des choses. Tu peux lui coller des choses. Bonjour à la maison. Bonjour à la maison. On est en train de faire des décorations de Noël. Regarde, je vais t'en montrer quelques-unes, juste pour que tu puisses avoir une idée. On a découpé des formes dans du carton. Puis on a mis des espèces de guirlandes pour les suspendre dans l'arbre, d'accord? Alors, tu en as une ici comme ça. Tu peux avoir toutes sortes de formes. Tu peux te faire des poissons. Tu peux te faire toutes sortes d'animaux aussi. Que tu t'es découpé d'abord dans un carton qui t'a servi de modèle. Puis que tu peux mettre après, regarde, que tu as taillé dans du feutre. Alors, c'est à toi après de décorer avec ton imagination tout ce que tu veux faire avec, d'accord? C'est difficile, mais c'est tellement beau après dans le sapin que c'est beau, beau, beau. Regarde, t'as même des formes de cannes de Noël, un tas de trucs. Ici, Tristan, il a décidé de faire quoi, mon petit chou? Toi, tu fais? Une étoile. Toi, tu fais une étoile. C'est long parce qu'il faut mettre des belles, belles couleurs pour que ça soit excitant. Toi, mon Pierre-Luc? Bonhomme de neige. Tu fais, regarde, en tout futur, on va lui montrer la forme de ton bonhomme de neige qui a été découpé. Puis là, tout ce qu'il fait, il va lui mettre la belle couleur pour que ça soit beau, beau, beau dans le sapin. Qu'est-ce que tu veux découper? Le poisson, attends, je vais te le donner. Regarde. Tu le mets par-dessus comme ça, puis tu tailles ton poisson. Vas-y, doucement, par exemple. OK? Je veux dire quelque chose. Oui, Nathalie? Juste à moi. Oui, tu peux le prendre. T'as oublié une petite étoile? Tiens, prends-toi, mon petit chou, t'en as là. T'en as ici, t'en as là. Regarde bien. Quoi donc? T'es capable? Un long petit bout de tissu? Oui, ça sera pas long. Tiens. Oui, je vais te donner des ciseaux, puis tu les découpes comme tu veux. Regarde, t'as du vert aussi. Voilà. Tu prends toutes les couleurs que tu aimes. Oui, mon petit cœur. Oui, mais tu ne la regardes pas. Je veux faire une queue comme ça. Tu veux faire une petite queue? Regarde, je vais te la faire, puis tu auras juste à la coller. D'accord? Oui. Attends un peu. Ça va en faire des belles décorations dans le sapin, hein? Oh, ça va être beau, beau, beau après. Tu mets des couleurs. Hein? Je te laisse faire ton étoile comme tu veux. Mais je veux un crayon. Lequel tu veux? Tu en as beaucoup, beaucoup de crayons, là. Le noir. Le noir, attends. Tiens, mon petit cœur, le noir. La colle est ici. Pierre-Luc, voilà. Tu peux même découper des formes avec tes tissus. Tu peux faire des yeux, tu peux faire la bouche, tu peux faire le nez. Tu fais toutes sortes de choses qui te passent par la tête. Je colore sur le tissu. Mais si tu veux, tu fais tout ce qui te plaît. Puis après, on va aller les accrocher dans le beau, beau sapin. Pardon? Non, c'est pas facile, mais il faut toujours se forcer quand on veut faire quelque chose de beau, hein? Ça avance bien, mon petit cœur. C'est très beau.
il est déficit, elle coupe lui. Mais la corne, ça c'est juste pour le suspendre, c'est pas tout de suite, c'est après. Quand tu l'auras fini, ça s'en vient bien. Vous travaillez comme des grands, 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 grands. Des ciseaux? Des ciseaux? Je pense qu'il y en avait ici, mon dessous, tiens. Qu'est-ce que tu dirais si j'allais raconter une histoire pendant que tu fais ton bricolage? Puis quand je vais avoir fini mon histoire, tu vas avoir fini ton bricolage, puis tu vas pouvoir me le montrer. Qu'est-ce que t'en dirais? Okay. D'accord? OK. Tu vas-tu m'écouter comme il faut? Oui. Avec tes grandes, grandes oreilles, toutes grandes ouvertes, mais tu fais des belles choses en même temps. Hein? Toi aussi, Tristan? D'accord. Je vais aller m'asseoir sur mon petit banc. Attends un peu. Puis tu me prépares quelque chose de beau, là. Hein? Tu me prépares de belles histoires. Ce que je te raconte ce soir, c'est quelque chose de magique. C'est une histoire qui a été composée par ma maman à moi, quand j'étais toute petite, pareil comme les petits-enfants qui sont ici. Puis ce soir, je te la donne à toi. Ça s'appelle « La magie de Noël ». D'accord? Toutes les histoires, d'habitude, commencent par « Il était une fois ». Ça commence pas comme ça, celle-ci. Tu t'assois bien tranquille et tu t'imagines « C'est la veille de Noël ». Puis on attend le petit Jésus. Tout le monde attend le petit Jésus dans son cœur. Et dans toutes les maisons, comme chez toi, ça sent bon, ça sent les gâteaux, ça sent la dinde, ça sent les tourtières. Puis dans les salons, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sapin avec les magnifiques lumières, les boules, les glaçons. Tous les sapins sont illuminés. Mais il se passe quelque chose dans la nuit de Noël. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les petits-enfants, il faut qu'ils fassent dodo. Il faut qu'ils dorment tous, parce qu'autrement, le Père Noël ne passera pas. Alors, tout à coup, on entend... Comme s'il y avait quelque chose de magique, on a su que le petit Jésus était né. Et qu'est-ce qu'on entend? Les grelots du chariot du Père Noël qui arrivent avec la fée des étoiles. Alors, il arrive près du petit Jésus. Bonjour, mon petit Jésus. Oh, comme je suis content de te voir. Comment vas-tu cette année? Le petit Jésus dit, mais ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as beaucoup de petits-enfants à aller voir? Le Père Noël, il dit, si j'en ai beaucoup, j'ai toute la terre à aller porter les cadeaux. C'est beaucoup de travail, petit Jésus. Alors, il lui dit, je te dis une bonne nuit parce que tu as beaucoup de route à faire. Je te laisse faire tout le travail. Alors, le Père Noël s'en va avec la fée des étoiles, parce que la fée des étoiles, dans son grand, grand livre, elle a écrit le nom de tous les petits-enfants qui habitent sur la terre. Alors, ils ont été portés les jouets. Autant ça pouvait être des poupées, des camions, des tambours, des bicyclettes, enfin tout ce que toi aussi tu désires pour Noël. Puis tout à coup, après avoir fait toutes les maisons, la fée des étoiles regarde dans son livre, puis elle dit au Père Noël, « Père Noël, c'est incroyable, il me reste un nom dans mon livre. » Et nous n'avons plus de jouets. Le Père Noël dit à la fée des étoiles, « Mais voyons, ma bonne fée, ça se peut pas, on a fait toutes les maisons. » La fée dit, « Mais voyons, Père Noël, regarde bien, regarde bien. Il va falloir faire quelque chose parce que le petit enfant qui n'a pas de cadeau, il va être malheureux cette nuit de Noël. On va recommencer tout le trajet. On va faire toutes les maisons de la terre parce qu'il faut trouver la maison du petit garçon qu'on a oublié. » Il n'avait pas tellement oublié, le Père Noël. C'est que les maisons se ressemblent toutes la nuit de Noël. Elles sont toutes pleines de neige. Alors, la fée des étoiles, puis le Père Noël, ils repartent, puis ils repartent, puis ils cherchaient encore une autre maison. Ils ont découvert une petite, petite maison en haut d'une montagne avec un petit toit rouge. C'était la maison du petit garçon. Mais là, ils avaient un problème. Il n'y avait plus de jouets. « Qu'est-ce que je vais faire? » dit le Père Noël. « Qu'est-ce que je vais faire? » La fée des étoiles, elle avait un petit sourire, mais elle se taisait parce qu'elle ne voulait pas lui dire. C'était une surprise. Tu sais ce qu'elle a fait, la fée des étoiles? Elle est rentrée sur la pointe des pieds dans la maison du petit garçon. Et elle a pris son étoile qu'elle avait au bout de sa baguette magique. Elle l'a détachée de son étoile et elle est allée l'accrocher sur une des branches du sapin de Noël du petit garçon. Puis, elle est ressortie sur la pointe des pieds. Elle est allée voir le Père Noël, puis elle lui a dit, « Père Noël, je viens de faire quelque chose de peut-être difficile pour moi,
Mais cette nuit, tous les petits garçons vont avoir un cadeau. Puis là, elle était contente. Puis le Père Noël riait, puis il riait fort, fort, fort. Ils s'en vont voir le petit Jésus. Puis le Père Noël dit au petit Jésus tous les problèmes puis toutes les merveilleuses choses qu'il avait eues pendant la nuit. Mais la fille des étoiles, elle, ne bougeait pas. Elle était en arrière du Père Noël, puis elle ne parlait pas du tout. Le petit Jésus regarde la fille, puis il lui dit, « Viens ici, la fille des étoiles. Pourquoi tu ne parles pas? » La fille des étoiles, elle avait le cœur gros parce qu'elle avait quand même perdu quelque chose. Elle a dit, « Bah, si, ça va bien, Père Noël. Je suis contente parce que j'ai fait quelque chose de beau. » Alors le Père Noël, il dit, « Rapproche-toi. » Puis comme la fée des étoiles pleurait sur ses joues, il avait des larmes. Alors le petit Jésus, il a ramassé une des larmes de la fée des étoiles. Puis de sa larme, il l'a mis au bout de sa baguette magique. Et la larme s'est changée en étoile sur la baguette magique de la fée. Alors la fée a regardé le petit Jésus, puis elle lui a dit, « Tu sais, petit Jésus, c'est difficile de donner des choses que l'on aime. » Mais quand on aime, on est tellement bien récompensé. Et c'était, c'est joli mon petit chou, c'était l'histoire de la magie de Noël. Est-ce que vous m'avez préparé des belles choses? Est-ce que vous... Oh là 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 là, attends un petit peu mon petit cœur, je vais aller voir ça. Attends, assieds-toi mon Pierre-Luc, j'arrive. Assieds-toi, j'arrive. Je vous dis qu'on a fait de belles choses. Ça, c'est... Attends, c'est Cathy qui a fait ça. Oui, c'est beau. Hé! Hey, qu'est-ce que t'as fait, Cathy? Ça, là, toutes les couleurs, mon vert, ben, c'est de la magie. Ouais, c'est de la magie. Comme tu nous as fait tantôt. Comme les petites lunes qu'on a fait. C'est beau! Toi, mon Pierre-Luc, qu'est-ce que t'as fait? Un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige. On va le suspendre dans les heures après. Hein? OK, puis là, tu finis? Penses-tu qu'il lui manque des petits yeux, peut-être? Je sais pas comment faire là. Hein? OK, je te laisse faire les yeux. Moi, quoi? Je sais pas comment. Oh, tu t'es avancée, hein? Attends, on va se mettre ici pour te faire la petite queue, tu veux? Oui. On va essayer. Hé, hey, c'est beau, ça! C'est beau, Karine! Attends, on va le montrer aux petits amis de la maison, d'accord? Qu'est-ce que t'as fait, ma belle Karine? Parle fort! Un bonhomme de neige! Regarde si c'est beau! On va pouvoir le suspendre dans le sapin tout à l'heure, hein? Moi, j'ai pas fini. Ça te fait des... Moi, j'ai pas fini. Travaille! Travaille fort, mon petit cœur. On n'est pas pressé. On va faire les choses comme il faut, même si ça prend du temps. Attends. Tu voulais avoir un... Tu voulais avoir une queue? Ah, mon cadeau! Faut mettre là. Pas tout de suite. Finis-le avant. Attends, on va chercher une petite... Est-ce qu'on a de la colle? Oui, de la colle. Attends, on va coller la petite queue du poisson. Hein? Eh, ça va être beau dans le sapin, ça. Aïe, aïe, aïe. Tiens, mon petit chou, tu peux le continuer. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à toi, ça. Où est ta... Ah! Mais je ne l'ai pas fini. Tu l'as... Pardon? Je ne l'ai pas fini. Tu ne l'as pas fini encore. Tu vas la finir? Oui. D'accord, mais elle est belle. C'est beau. Où est-il, ton bonhomme de neige? OK. Là, le bonhomme de neige, il est fini. Le bonhomme de neige est fini. Hein? La colle, tiens. C'est beau. On va pouvoir le mettre dans le sapin. Ça sera pas long. Oh! Attends un peu, là. Je vais salir, ça. Oh, c'est pas grave, même si tu te salis, mon petit cœur. Va donc à ta belle étoile. Oh, que c'est beau! C'est joli! T'as fait de belles choses. Est-ce que tu l'as terminé? Oui, on va pouvoir le mettre dans le sapin après. Est-ce que tu en fais une autre? En fais-tu une autre, Nathalie? Regarde, tu pourrais faire une canne ici. Regarde, elle n'a pas de décoration. D'accord. C'est beau. Regarde comme c'est joli. Attends, je vais aller voir ça là-bas. Attends un petit peu. Je vais essayer de me pousser par ici. Pardon? Attends, on va essayer. Oh! Qu'est-ce que tu me racontais, Cathy? Ça, là? Oui? Oups, c'est beau! Hein? Assieds-toi, mon petit gars. Assieds-toi. Regarde si c'est beau! C'est mignon! Montre-le à les autres. Montre-le. Ah, oh, je vais le montrer aux autres. Regarde, ça va être beau, hein? On va avoir un beau sapin. Je vous dis qu'à Noël, là, on va être gâtés. Puis Pierre-Luc, oh, c'est avancé aussi. Est-ce qu'on peut le montrer, ton bonhomme de neige, Pierre-Luc? Ouais. Attends, on va le montrer.
Tu veux une petite étoile? Il y en a juste devant toi, Nathalie. Regarde juste là, là. Pierre-Luc, il a avancé, son bonhomme de neige, hein? C'est beau! Il est beau! Attends, c'est beau, Tristan. Continue, mon petit chou. Qu'est-ce que tu cherches, Véronique? Ah! Elle va avoir la colle, hein? C'est très beau. Vous travaillez tous très bien. Même si je dis pas ça tape, ça, ça rien. Pardon, mon petit chou? Si je dis pas que ça tape, ça, ça rien. Ben non, ça fait rien. Ben non. Pourvu que tu aies du plaisir à faire ce que tu fais, c'est beau. La colle. On cherche la colle. Est-ce que tu connais une chanson de Noël? Ah, ouais. C'est quoi tu connais? Oui. Connais-tu Petit Papa Noël? Oui. Oui. Est-ce qu'on la chanterait? Oui. Est-ce qu'on va la chanter? Moi, je ne la sais pas. Tu ne la sais pas? Tu pourrais nous écouter. C'est toi, est-ce que tu la connais, mon petit chou? Oui. Est-ce qu'on pourrait chanter fort? Oui. Là-bas, ça va me boucher dans les oreilles. Ça va boucher tes oreilles, tu penses, toi? C'est beau pour ta Noël. On va te la montrer. OK, on y va tout le monde? Un, deux, trois. Petit Papa Noël. Tu chantes fort. Quand tu descendras du ciel avec tes joues. Qu'est-ce que tu veux? Par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, tiens, un bel œil. Il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un petit, ton deuxième, à cause de moi. Et puis, Pierre-Luc, Tristan, ça c'est beau. Ça en vient bien, ton étoile. C'est beau. Attends, on va montrer l'étoile à Pierre-Luc, hein? Seigneur, vous travaillez bien. Vous me faites tous des choses extraordinaires. Pas Pierre-Luc, Tristan. Excuse-moi, mon petit chou. C'est pas fini, je trouve. Ah. Qu'est-ce que tu cherches? Ce petit tissu-là? Karine, est-ce qu'on peut prendre un petit peu de ton tissu jaune? Attends, regarde, je vais te couper la moitié comme ça. Tiens, voilà, c'est beau! Oui, travaillez bien! Et que c'est beau! Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je peux t'aider? Tu veux un rond pour faire quoi? Pour faire ses yeux? OK, on va lui faire un rond. Un gros ou un tout petit? Un gros. Attends, je t'en ai fait un tout petit. Là. Je vais t'en faire un rond. Un petit peu plus rond. Un petit peu plus gros. Voilà. Je t'ai dit que notre sapin de Noël, il va être gâté par vous, hein? Ah, voilà, c'est beau. Pierre-Luc, c'est très beau, tu travailles bien. Tristan aussi. Cathy a fait de belles choses. Nathalie aussi. Karine, oui, tu avais ton bonhomme de neige tout à l'heure. Est-ce que ça va bien, Véronique? Oui. Et puis de... Qu'est-ce que tu cherches? Le crayon. Tu peux en prendre une autre couleur, tiens, en attendant. C'est beau! Quoi, mon petit cœur? Excuse, je vais aller voir Véronique, voir qu'est-ce qu'elle fait. Un autre rond. T'en as un autre rond, là, regarde. Viens, Véronique, là, on va le coller ta queue. Ça, c'est comme ça, tu veux? T'en as des étoiles ici, mon petit chou. Regarde. Je vais coller des places. Comme par-dessus. Tu veux le coller ici? Oui. OK. Cathy? Maman, avant que tu ici. Oui. Est-ce que tu me donnerais de la colle un petit peu, Cathy? S'il te plaît. Est-ce que Véronique, elle en a besoin? Attention, là, t'es sur... En plus, je m'expliquais avec un petit bois qui est rentré dans... Oh, c'est pas bien grave. Mais ça aussi. Attends, on va attendre Cathy qui est en train de coller ses yeux. Oh! Montre-moi ça! Attends un petit peu. Que c'est beau! C'est beau, Pierre-Luc! Pierre-Yves! Voyons, c'est Pierre-Yves ou Pierre-Luc? Pierre-Luc. C'est Pierre-Luc, excuse-moi. C'est beau! Il va en avoir de belles choses. Hein? Quand Père Noël, il va voir ça, là, qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? Ah, le Père Noël, il n'a pas d'heure, hein? Le Père Noël aussi, c'est magique. C'est beau, mon petit chou. J'en ai fait un autre. Madame, ce que tu as fait? Oh! Attends, on va enlever un petit peu de colle, parce qu'on ne verra pas ton étoile.
Hein? La belle Nathalie, elle a collé une petite étoile. Hein? Sur le bout. Une petite étoile. C'était important pour toi, une petite étoile. Mmh. Alors, ça l'est important à ce moment-là. J'ai tout fini. T'as tout fini? T'es sûre de ça? Oui. Regarde, il y en aurait peut-être une autre forme ici. C'est quelle forme, ça? Un triangle. Comment ça se fait, c'est un triangle? Comment ça se fait qu'on appelle ça un triangle? Parce que c'est fait en... Il y a un bout pointu. Parce qu'il y a un, deux, trois. Trois côtés. C'est pour ça qu'on appelle ça un... Triangle. Voilà. Tiens, Nathalie. C'est beau. Est-ce que tu en fais un autre, mon chou? Est-ce que tu aurais peut-être une autre forme? Attends un peu. Ah, il y a une belle boule ici que tu pourrais faire. C'est beau. C'est beau, Tristan. Tu continues. C'est très, très, très bien. Du papier collant, tu veux? Regarde, elle en a. Je veux de la colle. Oh, de la colle. Mais qu'est-ce que tu vas coller? Qu'est-ce que tu vas coller dessus? Il faudrait que tu lui découpes des choses si tu veux les coller. Attends. Tu sais ce que je vais faire? Je vais découper des morceaux de tissu pour qu'on puisse l'accrocher dans le sapin après. Oh là là! Pardon? Qu'est-ce que tu vas lui mettre? Tu veux mettre ça? Attends, je vais t'en mettre un petit peu moins. Continue. Tristan, c'est beau, continue. Tiens. Cathy, viens t'asseoir, mon petit chou. Oui, tu peux la prendre. Hop, attends un peu. On va mettre une petite corde au bonhomme de neige de Pierre-Yves. On va lui faire une petite tige qu'on va pouvoir le mettre dans le sapin. Les ciseaux. Est-ce qu'on peut avoir les ciseaux, s'il te plaît? C'est beau, Karine. C'est beau, oui. Bon, on a le bonhomme de neige de Pierre-Yves. Et là, tu finis? Pierre-Luc. Je suis dans la lune, hein? Aïe, aïe, aïe. Il y en a une lune, puis je suis dans la... Est-ce que tu es prêt pour mettre ton petit ruban? Ah, pas tout de suite, d'accord. Est-ce qu'on peut mettre un ruban, Cathy, à ton petit cœur? Oui. Oui? OK. Un papier collant, juste là. Oh, non, attends, on va mettre... Oui, bon, on travaille lentement, parce que si on travaille vite, on va tout rater. C'est mieux d'aller lentement. Ça va bien aller. Hein? On prend notre temps, mais on fait des belles choses. Parce que quand le Père Noël, il va voir tout ce qu'il y a dans le sapin, je t'ai dit qu'il va être content. Peux-tu mettre le scotch-tête là-dessus? Oui, mon petit chou. C'est comme tu veux. C'est beau, hein? Que l'on fait ici, on fait des belles choses, hein, les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait? Des beaux arbres, des beaux bonhommes. Regarde, est-ce que c'est beau, c'est ça, Cathy? Oh, que c'est joli. Oh, que c'est joli, à part ça. Hein? Moi, j'ai tout fini. Oui, tout à l'heure, on va aller accrocher ça dans l'arbre. Et puis, pour le moment, les petits-enfants, on va aller regarder une vidéo ensemble. On va regarder des émissions du canal Enfant Jeunesse comme Coureur des bois, Mon oncle Antoine, Petit débrouillard, des émissions que vous connaissez sûrement. Merci, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Alors, si tu veux bien, on va regarder ça ensemble et on revient après avec une belle surprise. Et toi aussi, à la maison, regarde. Oh, c'est beau. C'est beau. Bien, je vais lui mettre une... Nous voici de retour, les enfants, avec Collégramme et les petits amis. J'espère que vous avez aimé les émissions qu'on vient de vous présenter. Avez-vous aimé ça, les petits amis? Oui. Eh bien, maintenant, je crois... Oh, regardez, qu'est-ce que je vois au loin! Mais c'est le Père Noël! On applaudit le Père Noël! Oh, viens nous voir! Père Noël, viens, assis-toi ici! Oh, voilà! Oh, dépose ça! Oh! Bonjour, mes amis! Bonjour! Comment allez-vous? Bien. Où est-ce que c'est beau, les belles décorations? C'est vous qui avez fait tout ça? Oui! Oh, comme c'est beau! Est-ce que vous avez bricolé avec Collégramme? Oui! Sans grand, hein? Oui, vous avez été sage! Oui. Tous beau monde, avez-vous hâte à Noël? Oui. C'est quoi ton nom, mon petit bonhomme? Je pense que c'est Pierre-Luc. Toi, c'est Karine. René.
Ça, c'est la petite Nathalie. Tu m'as connu la prochaine fois que tu es venue chez moi? C'est pas chez toi que je t'ai vu. Oui. C'était au centre d'achat. Oui. Oui. Moi, j'ai hâte de Père Noël quand ça va être chez nous. Ah oui, tu as hâte de Père Noël? Oui. Est-ce que Père Noël, tu vas aller? Bien, c'est moi. Ben oui. Oui? Tu vas lui apporter des cadeaux? Va voir le Père Noël, il va te dire des secrets. J'en suis certaine. Vas-y. Oui. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Une petite douche. Une petite douche? Oui. Oh! Qu'est-ce que tu vas faire avec ta petite douche? Je vais baigner mes poupées. Oh! Tes poupées vont se baigner dans ta petite douche. Ils vont prendre des bains ou des douches? Des douches. Des douches? Qu'est-ce que tu veux d'autre pour Noël? Juste ça. Juste ça? Oui. Oh mon Dieu, t'es sage? Oui. Oui, je pense que le Père Noël, il va t'apporter ça. Tu vois, Père Noël, tu me donnes-tu une grosse bouche? On va te donner un petit cadeau tantôt. Viens nous voir, merci. Voilà. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres? Y a-tu d'autres qui veulent venir s'asseoir sur moi? Oui. Oh, pelin. Que t'es lourde. Toi, tu t'appelles? Véronique. Que je peux aller. T'as-tu été à l'école, toi? T'es-tu à l'école? Non. Tu vas-tu à la maternelle? Non. T'as quel âge, Véronique? 4 ans. 4 ans? Oui. Hé, t'es une grande fille. Qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure avec collégramme? On a colorié. Avec colorié? Oui. Tes décorations pour mettre dans le sapin? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu demandes au Père Noël, toi, pour cette année? Des blocs Lego d'hôpital puis une poupée. Quelle sorte de poupée que tu voudrais? Une poupée qui pleure. Une poupée qui pleure? Mais c'est un peu triste, non? Oui. Tu vas-tu l'amener chez ton amie Cathy pour qu'elle prenne sa douche? Hein? Père Noël est drôle. Père Noël, je pense qu'il va te l'apporter si t'es sage. Vous avez tous des belles lunes sur les joues? Oui. Oui, tu me donnes-tu un gros bec? Oups, là. C'est beau. Qui va aller voir le Père Noël? Ah, la belle famille. Oh, ma belle Renée. Oh, voilà. Comment ça va? Ça va bien. Toi, tu vas à l'école, je pense, hein? Oui. T'es sage à l'école? Oui. T'es-tu en première année? Oui. Qu'est-ce que vous apprenez de beau? C'est pas mon mari qui est en train d'apprendre les complémentaires. Les complémentaires? Oui. Toutes sortes de choses. Vous apprenez à écrire, à lire. Qu'est-ce que tu demandes, toi, cette année au Père Noël? Moi, je demande l'enregistreuse, puis... Les petites frisinettes, ça c'est les poupées qui sentent bon, hein? T'aimes ça, toi, ces petites poupées-là? Moi aussi, toi aussi, t'as un beau cœur. Qu'est-ce que t'as fait comme bricolage tout à l'heure? J'ai fait un poisson. Un poisson? Oh! T'as-tu fait d'autres choses? Avez-vous chanté? Oui. Oui? Est-ce que tu l'aimes bien, collégramme? Oui. Oui? Peux-tu te donner un beau bec? Bravo! C'est notre ami qui va aller voir le Père Noël. C'est Nathalie, ça? La grande Nathalie. Oh, là! Hé, t'es bien belle, ma grande Nathalie. Oui, t'as été gentille, toi, pendant l'année. Oui. Oui. J'ai rencontré Nathalie l'autre jour, tu te souviens de moi? Oui. Oui, au centre d'achat? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu veux pour Noël, toi, ma petite Nathalie? Tu veux aussi la petite poupée Fraisinette? Oui. Est-ce qu'il y a toutes sortes de senteurs, ces poupées-là? Oui. Oui. Est-ce que tu vas y aller, ce Père Noël, toi? Oui. Qu'est-ce que tu veux tu d'autre? Tu vas de vous parce que t'es grand, là. Non. J'ai fini. Après, je veux plus d'autre. Tu veux juste une poupée Fraisinette? Oui. Oh, mon Dieu, t'as une belle étoile sur la main, hein? Oui. Qu'est-ce que t'as fait comme bricolage? Moi, une étoile, puis des beaux dessins. Oh, c'est beau, ça. Est-ce que t'aimes ça, venir en compagnie du collégramme? Oui. Oui. Tu peux-tu me donner un beau bec? Oui. Oui. Mmh. Oh, ça pique une grosse barbe de Père Noël. Non. Non, t'aimes ça? Oui. Bien. Fait qu'on va vous donner des beaux petits cadeaux tout à l'heure. Viens voir, mon Pierre-Luc. On laisse. Oh,
C'est pas ça, t'es un homme, toi? T'as quel âge, toi, Pierre-Luc? 4 ans. T'as 4 ans? Et qu'est-ce que tu fais? T'as fait des bricolages, toi aussi? Oui. Qu'est-ce que tu demandes au Père Noël cette année? Un camion. Oui? Mais quelle sorte de camion? Pompier. Un camion de pompier. Tu veux-tu devenir un pompier plus tard? Qu'est-ce que ça fait, les pompiers? Ça fait des feux. Des feux, oui. Y a-tu d'autres choses que tu aimerais avoir? Non. Juste un beau camion de pompier, rouge comme l'habit du Père Noël? Rouge comme ça, avec une sirène, peut-être? Oui. Oui? T'as-tu été sage, toi, cette année? Oui. Oui? Tu veux-tu me donner un beau gros bec avec tous tes brillants? Sur la joue. Merci. Tu m'as donné un bec sur la joue. Tu vois? C'est au tour de Tristan. Tristan, viens voir mon grand garçon. Oh, c'est un grand bonhomme, ça. Qu'est-ce que tu fais de bon, toi? Moi? Tu vas-tu à l'école, mon homme? Oui. Oui? Tu es en quelle année? Deuxième année, t'es le plus grand ici? Non. Non? Il y a Karine, je pense, aussi, qui va à l'école, hein? À quelle école vas-tu, mon ami? À Saint-Louis-de-Gonzague, à Québec. C'est une belle école. T'aimes-tu ça, aller là? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu demandes cette année pour Noël? Oui. Tu ne sais pas encore? Oui. Il y a tellement de choses. Tu ne sais pas. T'aimes-tu mieux avoir une surprise et pas savoir avant d'ouvrir ton cadeau? Oui. Oui? On va te donner un cadeau comme à toutes les amies tout à l'heure. OK, on va te donner un beau bec, toi aussi. Qu'est-ce qu'il en reste qui n'a pas été battu? Ben oui, ma belle Karine. Oh, voilà. Toi, Karine, tu vas à l'école, toi aussi, hein? En quelle année es-tu? Deuxième. Tu es en deuxième année. T'aimes-tu ça aller à l'école? Oui. Oui? Qu'est-ce que vous apprenez à l'école? La lecture. Écrire, la grammaire, la lecture. Qu'est-ce que tu demandes, toi, au Père Noël, cette année? Le nouveau disque de Nathalie Simard. Est-ce qu'elle chante bien, Nathalie Simard? Oui. Est-ce qu'elle chante avec son petit frère, là, son grand frère, maintenant, là-dessus? C'est un beau disque, ça? Oui. T'avais un beau soleil? Une lune? Oui. Tu me donnes-tu un beau bec? Bon. Oh. Alors, tous les amis sont allés voir le Père Noël? Non, je n'ai pas venu. Quand les gars, mais pas venu me voir! Excuse-moi, Père Noël. Je reviens. Moi, qu'est-ce que je veux pour Noël? Oui. T'as-tu été sage, premièrement? Ben, j'ai-tu été sage? Oui, j'ai été sage. Tu étais gentille? Oui. Tu as fait faire des bricolages aux enfants pour les amuser? Ah, mais ils sont gentils, ils sont grands! Ils sont grands? Oui. Oui. Tu sais, qu'est-ce que je demande, moi? Non. Je demande que... Parce que Noël, c'est une fête de la paix. Oui. J'espère que les petits-enfants vont faire la paix puis qu'ils chicaneront pas. Puis qu'il y a quand même d'autres choses d'important aussi que des cadeaux. C'est ce qu'il y a au fond de ton cœur. C'est ce que le sourire que tu peux apporter puis l'amour que tu peux apporter à tout le monde. Quel beau message. C'est gentil, ça. Merci, Père Noël. C'est le vrai message de Noël. On est content que tu sois là. Ben oui. Est-ce que vous me chantez une petite chanson? Ah oui, les amis, on va chanter une chanson, Père Noël. Est-ce qu'on chante Le petit renne au nez rouge? J'aimerais ça chanter Le petit renne au nez rouge. Mais maintenant, elle l'a déjà chanté. Mais c'est pas dans la télé, c'est dans la radio. Ah bon, alors est-ce qu'on y va, vous la connaissez? Oui. Hein? Ok, on y va. Tu veux pas chanter, Nathalie? Oui, on y va, Le petit renne au nez rouge. Ok, on part à trois. Un, deux, trois. Le petit renne au nez rouge, ah comme il était mignon, avec son nez rouge, rouge comme un nez mignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait tout court. On allait jusqu'à dire qu'il allait prendre un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir pour le consoler.
Oui, ma petite fille, t'es pas venue me voir, toi. Ah, je vais aller te voir tout de suite. Hein? Moi, j'ai pas été voir le Père Noël. Bonjour, Père Noël. Bonjour, ma petite fille. Comment ma grande ça va? Fille. Ah oui, je suis une grande fille. Ça va bien. Ça va bien. Puis je suis contente que les amis nous voient à la télévision. Les amis aussi aimeraient te voir à Noël. Est-ce que tu vas aller les visiter? Certainement. Oui, alors tu peux attendre la visite du Père Noël. Je suis certaine qu'il va aller te voir, toi, à la maison. Et moi, bien, ce que je demande pour Noël, Père Noël, mais c'est que tous les enfants soient heureux. Est-ce que vous me promettez que vous allez être heureux à Noël? Oui. Avec, vous allez être gentil avec vos amis? Oui. Et toi à la maison aussi, hein? Eh bien, pour terminer cette émission, on va chanter une autre chanson. N'est-ce pas, Colgram? Et merci, Père Noël, d'être venu. Et moi, je vais prendre ma place. Ben avant de partir, je vais vous donner chacun cadeau de Noël, c'est juste des petits sacs. Tiens, ma chouette. Un beau bas. Tiens. Merci. Tu viens-tu me donner un bec? Mais oui. Viens plus près. Tiens, Nathalie. C'est beau. Oh, c'est beau. Parce que Pierre-Luc, il a envie d'avoir son bon lieu aussi. Je vais aller par cette heure, maman. Tu vas pas loin, les amis. Tiens. Mon Dieu. J'ai réservé des surprises pour les plus grands. Ça, c'est nos deux plus grands. J'apporte pas tout de suite les autres choses. Ça, c'est pour Karine, un beau chocolat. Si vous voulez, j'ai d'autres choses. C'est dans le fond du sac. J'ai vidé mon sac pour vous, les amis. Il s'agit de jolis mots. Pour que vous avez des beaux cadeaux, les enfants. Hé, hey, c'est beau, hein? Oh, t'es gâté, hein? Vous en avez des petites cannes dans vos sacs. Oh, que c'est bon. Alors, on vient se rasseoir? Ben, ça, c'est pas mon truc. Non? Merci, on se rasseoir. On est chanceux que le Père Noël soit venu. Oui, mais t'as plein de choses dans ton sac. Aïe. Les enfants, qu'est-ce que vous devriez chanter pour une autre chanson? Est-ce que vous aimeriez ça, chanter une autre chanson? Oui! Est-ce que vous avez des idées à nous donner pour une autre chanson? Oui, chanter vous le vin. Oh, oui. Ça, c'est une belle chanson. Pourquoi pas? Est-ce qu'on y va? Oui. Un, deux, trois. Vive le vin, vive le vin, vive le vin d'hiver. La 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 la. Bonjour les amis. Bonjour les copains. On s'en va pas tout de suite. On donne une belle grosse bise au Père Noël. Oh, une belle grosse bise au Père Noël. Oh, que c'est beau. Oh.